sur un piano, une puce élue domicile. Elle posa son sac à dos, ses affaires de ville. Elle avait beaucoup voyagé, beaucoup sauté, beaucoup piqué. Et pour ne pas qu'on la voie, sur une noire, elle s'installa. Mais soudain la lumière apparut, et des sons frappèrent son oreille. Une main lui marchait dessus, sa colère fut sans pareille. Elle suivit ses évolutions, avec des yeux pleins d'attention, pour essayer de grimper sur la main qu'il avait piétinée. Lorsqu'enfin elle y parvint, elle affina son aiguille et se mit à piquer la main tout en dansant le quadrille. Mais soudain la main s'agita et son rythme s'accéléra et la puce tout excitée, elle de plus belle se remit à piquer. Dans la douleur et la démangeaison, la main se faisait plus rapide, ne suivait plus la partition et n'avait plus aucun guide. Mais dans la salle on applaudissait sans deviner que c'était grâce à une puce énervée que le jazz était né.